Quoi? What? Ils veulent des bakchiches alors qu'il essaie de me scammer, le mec. Find like something to eat. To eat? On est presque sur un sans faute là. Yo, salam alaikum. Salam alaikum. Toti, Toti, ok, perfect. Il vient d'arriver dans la zone où il y a un peu plus de monde, un peu plus vivant aussi. Donc il a fait une petite mixture comme ça. Wow les gars, c'est incroyable. On va de surprise en surprise ici. Ah, regardez-moi cette effervescence, ce soleil. On est toujours à Dhaka, au Bangladesh, et je suis juste devant un petit palace, un petit palais, Hassan Manzil. Très 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 stylé, première fois que je vois un palais rose comme ça. Il y a des gens qui me regardent déjà à droite, c'est sympa. Salam alaikum. Et on est devant ce palais que je viens de visiter, très 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 sympa à l'intérieur. Bon par contre, c'était un peu poussiéreux, ça se voit qu'ils ont pas trop entretenu. Mais franchement très très cool, il fait super beau les gars, il fait super beau. Depuis que je suis arrivé, il faisait que de pleuvoir. Il faisait que de pleuvoir et là on a un temps radieux, magnifique, très très chaud. Regardez-moi ça en fait, il y a un espèce de petit jardin comme ça où les gens en profitent pour chiller, pour se dorer la pilule comme on dit. Et du coup l'objectif, si je l'accepte, ça va être de... Alors tu vas pas le voir mais derrière il y a une espèce de rivière, on va essayer de la traverser. Ça va bien me chauffer de la traverser et de voir ce qu'il y a derrière. Petite traversée en bateau qui peut être très sympa. En même temps, regarde-moi la façade de cette bâtisse quoi. Un bâtiment rose, franchement, est-ce que t'as déjà vu ça de ta vie? Moi j'ai vu ça, j'étais en mode waouh. Truc de zinzin, truc de fou. Et du coup, on va aller explorer ça, regardez. On va se diriger vers la sortie, tranquillement. Et puis, c'est parti, j'ai envie de te dire. Hop, je viens de sortir à l'instant du palais. Palais qui a abrité plusieurs des leaders du Bangladesh à l'époque. Et maintenant, c'est un palais national qui sert de musée, du coup. Donc ça appartient à l'État. Et regarde-moi ces immenses piliers qui soutiennent des bâtiments. Qui soutiennent des gros bâtiments. Là on va se diriger vers. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une rivière, un espèce de fleuve. Et on va voir comment est-ce qu'on peut le traverser. Il y a beaucoup de trafic les gars, il y a beaucoup de. Je sais pas comment on appelle ça, les petites calèches, les petits vélos là. Moi ça y en a à peu près partout. Salam alaikum. Salam alaikum. Les gens sont toujours aussi gentils et accueillants. C'est vraiment dommage que je puisse pas parler leur langue parce que sinon, je te dis, on pourrait faire de très très beaux échanges quoi. Heureusement, des fois, il y en a qui parlent anglais et ça, c'est plaisant. Salam alaikum. Ouais, c'est magique en fait, je dis que c'est magique. C'est magique. Salam alaikum. Waouh, regardez ça. On arrive dans... Ok, il y a un petit vélo juste derrière. On va aller dans une petite ruelle. Peut-être nous amener jusqu'au port. Salam alaikum. Hey, what's up? Salam alaikum. Changement d'ambiance ici. Un petit peu de musique, ça fait plaisir. On entend pas trop de musique ici au Bangladesh. Au Bangladesh, je devrais dire plutôt. C'est pas Bangladesh, c'est Bangladesh. On entend pas trop de musique. Alors qu'en vrai, c'est très joyeux, c'est très vivant comme pays. Et je pense que ça ferait plaisir peut-être d'en entendre un peu plus souvent. Regardez-moi ça. On va arriver vers le port où il y a tous les gros bateaux. Tous les gros bateaux, bon là c'est un petit peu dégueu forcément parce que il y a un marché il me semble ici. Alors il est peut-être pas là aujourd'hui mais le reste du temps il y a un marché. Et ça laisse des traces comme tu peux voir. Bon après ça ils y peuvent pas grand chose, il n'y a pas des poubelles tous les kilomètres quoi. Et en fait regarde ça, je crois que les bateaux c'est là-bas. Il y a plein de petits bateaux. Il y a plein de petits bateaux. Et on va aller checker ça. Salam alaikum. Je crois que c'est là, regarde-moi ça. Ok, donc je crois qu'il y a des taxis bateaux juste en bas. Hey! 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 Salam alaikum! Wow! Ok, to jump here? To... How much is it? How much is it? How much? How much is it? 200? 200. Ok, 200. Ça me paraît être un. Hein. Oh, I'm going with him. I'm going with him, il m'a dit 200. Regardez-moi ça, les gars. Welcome. Salam alaikum. Ok, wow. Wow, ok, on a assis sur ce petit. Tomara Namki? Mama Tazal Islam. Ok, nice to meet you. Ok, on est parti.
Du coup, on est sur cette barque. C'était rapide l'embarquement hein, pour 200. Donc ça me paraît très 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 correct. Oh, regarde. What is this? On dirait qu'il y a des espèces d'offrandes, regardez ça. Une espèce d'assiette qui flotte avec des petites bougies à l'intérieur. Très très sympa. Et donc là, on va traverser. On va traverser ce fleuve. I don't know what is it. Il y a plein d'effervescence, il y a beaucoup de bateaux sur la mer. What's the name of this? Shaktege Shottepe. Gobirata. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Hello. Hey, salam alaikum. How are you doing? Hello, Yasser. Are you doing good? Good? Ah, ok, wow, regardez-moi ça, les gars. On traverse, ils ont même des petits parapluies. Pour... Donc, comment? Et là, il y a une petite bouée au cas où tu tombes à l'eau. Bon, j'ai presque envie de me mettre debout, tu vois, mais quand je me suis arrivé dessus, eh bien, il s'avère que c'était vraiment pas très stable, donc bon, j'ai pas envie de faire chavirer le truc, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Waouh, regardez-moi ça transporte là-bas plein de fruits, plein de végétaux, plein de marchandises. Salam alaikum. Et personnellement, j'ai bien fait de prendre mon maillot de bain parce que personnellement, je ne me baignerai pas là-dedans. Alors, je sais pas si toi tu oserais. J'ai pas trop envie. Voilà, il y a un peu de déchets et la couleur n'est pas très envoûtante. Mais tu vois qu'il y a quand même des pommes qui arrivent à survivre là-dedans. Dans tout ce madness. Et là, on va arriver de l'autre côté. On va aller de l'autre côté, tu peux voir l'espèce de port là-bas, un mini port. Purée, il me parle en mode je comprends ce qu'il me dit alors que c'est très compliqué. Là, on va arriver de l'autre côté. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment des bateaux qui font l'aller-retour entre les deux, des bateaux-bus qui font vraiment la largeur comme ça du fleuve, de la rivière. Là, on va arriver. Ça va peut-être claquer un peu. Les petits chiens, regarde-moi les petits chiens. Hello! Hello, salam alaikum. How you doing? Good? Good? Hey, good! How are you doing? Salam alaikum. Regardez ça. Salam alaikum. Wow! Ok! Hi. Ok, maintenant on va donner. HLP. Alors, c'était combien? C'était 200, il m'a dit. Hop! 100. 100 et. Do you have a change? You have change? You have change? Je vais donner 500. Alza. Hein? Ah, ok. Ok. No. It was. I gave you 500. It was 200. You told me. You told me 500. No. Non, commencez pas là. No, I gave you 500. You told me 200. You told. No. Give me that. Take this. Okay, comment on va faire, les gars? Yeah, I'm at Casanova. Ok, j'ai 50 là. J'ai 100 là. Putain, qu'est-ce que c'est ça? C'est combien ça? Ça c'est 50 aussi. Ok, parfait, j'ai assez. Parfait. Hop là, here for you. Thank you. Bakshish, t'es tellement? Hein? Bakshish. Bakshish, ça va, ça va. Ça va. Salam alaikum. Ok, thank you. Ciao. Wow. Je vais passer par là, hop, pour y aller. Oh. Ils veulent des bakshish alors qu'il essaie de me scammer, le mec. Bon. On vient d'arriver, tu peux voir que. Ouais. Ça ressemble pas vraiment à un port, c'est un petit peu dégueu ici. On vient d'arriver de l'autre côté. bakshish. Comment il l'a dit, en mode il espérait vraiment quoi. Bon. Où est-ce qu'on est arrivé? Oh. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de choses que ça. On va aller vers la gauche, petit doggy, juste là. Salam alaikum. Salam alaikum. Your country? France. France. Your name? France. Your name? Ah, Thibaut. Toma la nom qui? Mohamed Rokika. Comment? Mohamed Rokika. Your name Rokika. Mohamed Rokika. Ok, nice to meet you. Nice to meet you. You're fine. Hey, good. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Good. Do you know where I could find something to eat? Huh? Do you know where I could find like something to eat? To eat? To eat. 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 Yeah. Where can I eat? Manger. This way? This way? This road? Okay. Thank you so much. Don't know about. Oh. Okay. Ils m'ont dit d'aller dans cette rue.
Est-ce que vous irez dans cette rue, les gars? Il n'y a pas grand chose d'ouvert. C'est assez sombre. Et la route est un petit peu deg. Alaikum salam, ça va? Et la route est un petit peu deg. Salam alaikum. France. Yeah, France, exactly. Yeah. Ok. Alaikum salam. Tu vois, c'est vraiment mystique ce pays. Tu viens et après t'as. Habibi. T'as les gens qui te suivent. Hein. Wow, regardez-moi ça ici, les gars. Tu viens en moto ici, là, tu t'enfonces pas. Tu t'enfonces clairement. Hey, salam alaikum. Salam alaikum. Good, good. Oh purée, non mais les gars, on est presque sur un sans faute là. Salam alaikum. Yo, salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. Ça va? How are you doing? Good. On est sur presque un sans faute, tout le monde dit bonjour, tout le monde est sympa, les gars. Est-ce que vous arrivez à trouver mieux? Les gens sont contents de voir un étranger. Waouh. Alors, personnellement, je ne vois toujours pas de restaurant à l'horizon. Salam alaikum. Do you know where I can find something to eat? Something? Restaurant? Non, il n'y a pas? Ok, thank you. Thank you. Don't know about. Wow. Il arrive à rouler ici, je sais pas comment il fait. Ils m'ont dit d'aller dans cette ruelle. Alors tout à l'heure, en fait, on était dans le vieux Dakar, donc sûrement la vieille ville, et puis maintenant ça commence à s'étendre. On a petit chien. Oh, le pauvre petit chien, hein. Pauvre petit chien de rue. À s'étendre légèrement dans les autres côtés, enfin plus loin, la ville s'étend vraiment de long en large. Et là, je pense qu'on est aussi dans une partie du vieux Dakar. Et tout est fermé, quoi. Attends, quel jour aujourd'hui? Quel jour on est aujourd'hui? On est. Salam alaikum. How are you doing? Good. On est mardi, on est Tuesday. Wow. Comment? Bangladesh, cool. Bangladesh, super cool. Regardez-moi ces ruelles là, toutes sombres. Yeah. Do you know like restaurants where I can eat? Restaurants. This way? This way, okay. Thank you. How are you doing? Good. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, les gars, c'est vraiment lumière qui est en train de se passer. J'adore ça. Les gens sont trop sympas. En fait, tu vois, comparativement, je sais pas si je dis, mais en comparaison avec mes autres vidéos, tu vois, ou précédemment que j'ai fait en Afrique, bien, il y a des gens qui te parlent, qui te foutent dans un mauvais mood, et là, putain, ça te donne une peps. Ça te donne une pêche. Wow, allez, on va traverser. How are you doing? Good. I'm Thibaut. Thibaut. Tomara Namki. Mohamed Ismail. Ok, nice to meet you. Nice to meet you. Waouh, regarde-moi cette route. Bon, on va essayer de trouver. Et comme je te disais, ouais, ça donne un peps de fou. Les gens sont là, ils bossent. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est tout le monde, c'est ouf. Les gars, je suis vraiment sur les fesses, quoi. Je suis vraiment sur le cul de ce qui est en train de se passer. Ça te donne une peps. Les gens te transmettent une énergie, en fait. C'est enrichissant et c'est encourageant, quoi. Ça donne vraiment le peps pour continuer. Wow, toujours des petits chiens de rue. On a presque traversé cette rue qui est vachement longue quand même. Et j'espère qu'au bout du tunnel, il y aura ce qu'on cherche. Yeah, I'm trying to find somewhere to eat. I want to eat, but everything is closed. Everything is closed, so I'm gonna try to this way. France. France, yeah. Hein? France, I'm coming from France, yeah. And I'm visiting Bangladesh. Yeah, France, yeah. Exactly. Yeah, thank you. Thank you. Don't know about. See you again. See you soon. Salam alaikum. Il y a des gens comme ça qui s'arrêtent. Il y a des gens comme ça qui s'arrêtent, qui sont très étonnés. Peut-être de voir une tête blonde comme la mienne. Ils n'ont pas trop l'habitude. C'est pas trop leur quotidien. Mais je ne sais pas pourquoi tout est fermé, sincèrement. Je pense que le premier truc que je trouve, on va jeter dessus, hein, tout simplement. Hey, salam alaikum. How are you doing? Good. Salam alaikum. Do you know where I can find something to eat? Yeah, eat. Yeah, like this, but eat, you know, restaurant? This way? Ok, don't know about. On est arrivé au bout de la rue. Toujours tout est fermé, les gars. Pourtant, on n'est pas en ramadan, là. Et l'Aïd est terminée. Je sais pas, il devrait y avoir des trucs ouverts, ou à moins que c'est comme ça toute l'année. Salam alaikum. How are you doing? Hein? What? What? I can come? Ok. Ok, voilà.
Doing good. Fine. Okay, let's. This way? Okay, we got. On va explorer. Hey! Salam alaikum! Alaikum assalam! How are you doing, guys? How are you doing? You good? Salam alaikum! Ça va? Ça va? Hey, how are you doing, guys? How are you doing? We are playing cricket. Clash of Clans? Yeah! You're playing Clash of Clans? Wow! Clash of Clans? What's your hotel? What's your level? This is my bed. This is my bed. No, no, you're playing. Bro, you're bro. Hey, whoa! Whoa! Tell again. No, you're from here? You're from Dhaka? Yes. Yeah, but whoa. It's not there. How do you get here? How do you get here? You. Oh, hey guys. How do you get here? How do you climb? Bulog. You like like this? Okay. Bumbra. What? Bulog. Yeah, vlog, exactly. Yeah. Vlog. Name? TB Jones. You can type it. You can type it after. You can type it. You are playing cricket. Yes. Cricket. Yes. Cool. You are playing in the. Where are you from? France. Yeah. Okay, guys. This is Bangladesh. Yeah, this is Bangladesh. Dhaka. What's the name of this neighborhood here? This is Shrekodoms. Okay. This is Shrekodoms. Wow. Shrekodoms. What? This is Shrekodoms. Ah, really? Yeah. His father's name. Ah, yeah, he has the same name. Okay. His father's name Lam. Lam? Lam. His father's name. Pema Lam. Pema Kumar Ranjan. Okay. Can you show me? Do you want to play cricket? Can you show me how you play cricket? Show me. Hey. No, I never tried. No. One chance. Okay. Hey. So you all guys, you live here? All of you? Yes. You live here? Okay, yes. Cool. Hey, this is my account. Please follow. Okay, yeah. Anurag. Okay. Okay, I will. No problem. I will. Kali. Kali. What? Kali ji. Black. You're white. Austin is all right. Black gold. খেলা সময় শুরু হতেছে আপনি আসতে পারেন এখন. What? Hey, selfie. না না. তুলবো. বিনোদন. Hey, আসসালামু আলাইকুম. আসসালামু আলাইকুম. His name green. এই বেটা তো আরে. Green. সবুজ. Okay, show me how you play. Show me how you play. Show me first. Show me. Hey, selfie. Okay, let's go. Show me. Okay, show me. Show me how you play. Je sais pas vraiment comment ça joue le cricket honnêtement les gars. On va voir ça. C'est un peu comme le baseball si je me sens, si je dis pas de bêtises. Ok. Hey bro. Ok. Ok. What? It's like baseball, right? It's like, no, cricket. It's not the same? What's the difference between baseball and this? Baseball is batted ball. Ah, okay. And this you spin it like yes, this? Yes. Oh, okay. C'est un peu plus lent, quoi. Tu lances ta balle plus tranquillement. C'est bizarre comment il est vachement blanc. Wow, guys. Thank you so much. Wow. Okay. I will try. Okay, I'm going to try. Okay. Can you record? Like, keep it like this. Like, you know, like this. Okay. Okay. Send it. Again. Vamos! Whoa! That's how you play? So that's how you play? Okay. Cool. Yeah, okay. Please, sit down. Je vais me reconvertir en joueur professionnel de cricket. C'est très impressionnant d'avoir tous ces gens autour. C'est très impressionnant et à la fois c'est trop cool. Autant d'effervescence. De base, il y a plein de gens qui pourraient dire vas-y, je suis en stress et tout parce que là, je suis dans une zone vraiment reculée. Il y a plein de gens autour de moi.
En fait, non, pas du tout. Je suis vraiment décontracté. Ok, let's go. Let's go, let's go. Hey, hey, hey. BT, BT. I was trying to find a restaurant where I can eat something. Yeah, like food. Food. This way? No, no, no. I don't know. I'm just walking, you know, like freestyle. Take a rickshaw. I'm just walking through this way? This way? Yes. Okay, go. Thank you so much, guys. Don't yes, don't make hello. Hey, bro, I'm going to Kandy. What? What do you say? No, no, I'm going to Kandy. Ah, you want to go in France? Are you single or married? I'm single. Oh, yeah, yeah, I'm also single. Really? Really, no girlfriend. Perfect, okay, so this way? Wait. He's coming. Ok, let's continue. Oh la dinguerie les gars, sérieux. Tu vois, parfois, il suffit juste de suivre 2-3 mecs, les deux mecs qu'il y avait sur le toit là, pour avoir accès à un truc de fou. Les mecs sont... Yoko. Les mecs sont trop sympas, trop gentils et accueillants. Trop plaisants quoi. Alors, alaikum. Anyway, go. Ah là, il y a des trucs à manger, mais c'est des épiceries quoi. Et là-bas, on va arriver. En gros, il y a peut-être un petit peu plus de monde. Ok, like this way or this way? This way. Ok, this way. Perfect. How much is it? What? How much is it? 30. Hein? 30. 30? 30, ok, perfect. Hop. Hop. Hop là. Wow, wow. It's heavy. Hop là. 30. 30, ok. 30, ok. Thank you so much. Jinjira Feriga. Don't know that. Thank you so much. Ok. Trouver un genre de tuk-tuk. Celui-ci il est bye bye. Il est motorisé, enfin il a ouais il est motorisé clairement. Ça va beaucoup plus vite. Et le mec n'a pas à pédaler. Franchement je sais pas où est-ce qu'il va m'emmener parce que là-bas il n'y a pas de restaurant. Je sais pas ce que ça va être de l'autre côté. Là il y a de plus en plus d'épiceries, c'est cool en vrai. Bah sérieux les gars, vive le Bangladesh. Hein. Vraiment. Ah, c'est toujours comme ça dans les pays où il y a. Tu sais, il y a un visa et c'est compliqué de. Waouh! Enfin, oh, les fruits qu'on a vus la dernière fois, ça. Les pays où il y a un visa et c'est compliqué d'y rentrer, ben, en général, les gens sont accueillants et sont contents de voir des touristes, quoi. Ok, on vient d'arriver dans la zone où il y a un peu plus de monde, un peu plus vivant, et les shops sont ouverts. Donc là, ça devrait être plus facile, effectivement, de trouver le truc. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour me trouver. On va retrouver là-bas de l'autre côté, là-bas. Alors, on va y avoir un accident. Je pense qu'on va y arriver, nous avons emmené vraiment. On va revoir la mer, regarde là. Enfin, la mer, je pense que c'est la mer. Et on arrive du coup sur les bords. Les bords du fleuve, du coup, je pense. Et là, on a le soleil. Là, on a le soleil, mais je sais vraiment pas où est-ce qu'il m'emmène. Il y a un peu de monde. Regarde-moi ça là. Le petit bateau qui traverse. Hey, it's okay here. Here, it's okay. It's okay here. It's okay here. Thank you. Thank you. Hop là. Hop là. Here for you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Don't know about. Ciao. Okay. Bon, alors, je viens de descendre ici. Je sais pas si c'était le meilleur place. Donc, il fait un ciel, les gars. Revigorant. Et qui, on va dire, déshumidifie l'air parce que l'air a été très humide ces derniers jours. Salam alaikum. Salam alaikum. Wow. On va aller prendre une petite bouteille d'eau, je pense, parce qu'il commence à faire un soif là. Salam alaikum, how are you doing? Ah, you want a photo? Yes. Ok. Continuons le star, les gars. Hop. Hop, thank you. Thank you. Tomara Namki. Rajouf. Rajouf. Nice to meet you, Rajouf. Sibo. Sibo. Yeah. Is it cool? Is it fresh? Cold. Yeah, cold. Is it cold? Yeah. Can I have like what is the thing like no up yeah this what is that well yeah please give me what is this Baraver with malt beverage okay how much is it no money, really? No. You're sure? Thank you so much. Don't know about. Thank you so much, guys. Okay, let's try la Braveur. C'est gentil, merci beaucoup.
qui a été offert très gentiment par les petits poteaux. Oh, c'est bon. Il y a un arrière-goût un peu de bière, mais c'est sucré en même temps. Ah oui, regardez. Malt beverage, non-alcoholic. Ok. And the first one. And the first one, yep. Yeah, yeah, here you go. Here you go. Ok, thank you so much. Thank you so much. Au revoir. Thank you. Where can I find something to eat? Here, restaurant? Yes. Here? Yes, sir. On this way, okay. Okay, don't know about. Thank you so much. Bye bye. Allez. Bon, les gars, c'est incroyable. On va de surprise en surprise ici. Je voulais essayer de payer cette Braver. Ils me l'ont offert bien gentiment. Un grand merci à eux. Même quand tu insistes, maintenant je sais même plus insister, tu vois. C'était comme en Algérie où tu insistes, mais en fait, ça les déshonore un peu si tu forces. En fait. Donc cette fois-ci, allez, c'est bon, on arrête de vouloir forcer à payer. Puisque c'est pas ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est très bon ce petit jus là. Ils ont gardé le bouchon, par contre, je vais devoir la finir. Regardez-moi, il y a un autre port ici qui est un petit peu plus propre que celui de tout à l'heure. Et normalement, par ici, on devrait pouvoir trouver des trucs à manger. Et je ne parle pas des doggies, bien sûr. Hop, on va essayer de traverser dès que les petits mecs. Hop là. On va continuer dans cette direction, les gars. Salam alaikum. On va continuer dans cette direction et voir ce qu'on peut trouver. On est encore dans l'endroit de marché là. Oh, salam alaikum. Oh, qu'est-ce qu'on a ici là? Qu'est-ce qu'on a ici? Salam alaikum. What do you have here? What is this? It's fish. Fish. And this is beef. Beef. Chicken. Chicken. Okay. Chicken fish. Okay. How much for a plate? How much for a plate? 65. Okay. Can I have one plate of this? Can I have one plate? Yeah. One chicken. 50. Okay. For one chicken. Okay. Perfect. So can I sit there? Yeah. Can I sit there? Okay. Yeah. Oh, salam alaikum. Salam alaikum. Oh. Salam alaikum. Bon, on vient d'arriver dans ce petit restaurant. Good. Les mecs sont en train de manger tranquillement. Je pense qu'on va devoir malheureusement manger avec les doigts. Je pense qu'il n'y a pas trop de couvert. On va faire comme les gens d'ici. Hein. Attends les gars, avant toute chose, on va se laver les mains quand même, je pense que c'est une bonne idée. Hop là. Bon allez, les mains fraîches, les mains propres. On attend de. Je sais pas s'il faut les servir en fait, ou les gens nous servent là-bas. Je sais pas exactement comment ça marche, parce qu'il y a une énorme pot de riz. Juste là-bas. Ok, thank you. Non, bat. Thank you so much. Non, bat. Hop. Donc, on va verser tranquillement le petit pot de sauce avec la chicken. Bon, alors, avec tout le respect que je leur dois, je pense que je vais pas boire cette eau pour des raisons évidentes, puisqu'elle vient du robinet. Et l'eau du robinet n'est pas forcément très clean. Donc, on va faire comme ils font. Hein. J'ai regardé un peu comment ils font. Je mélange comme ça avec les doigts. C'est très brûlant. Hop. Je mélange bien, évidemment, après on se lave les mains, bien sûr. Hop, comme ceci. Tranquille, après ça fait une petite mixture comme ça. Et après, tu prends tranquillement, hop, avec les doigts. Et tu pousses avec ton pouce là-dedans, comme ça. Hein, et tu pousses dans ta bouche comme ça. Et c'est super bon. Super bon, mais c'est super épicé. Ok, thank you. Wow, ok, thank you. Ils m'ont donné 4 verres d'eau. Au cas où je meurs d'épices. Je sais pas si je vais les voir. Mais bon, on verra. Chicken, really good. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que tous les gens mangent avec les doigts quasiment. Même dans les classes sociales les plus élevées, c'est pas qu'une question de hiérarchie sociale. Merci beaucoup, thank you. Merdouille de la sauce. C'est pas qu'une question de hiérarchie sociale et beaucoup de gens mangent avec les doigts ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de couvert, j'ai même pas essayé d'en demander parce que je pense que c'est comme ça qu'ils font ici.
En plus, c'est 65 le plat, quoi. Ce qui fait 50 centimes. 50 centimes pour tout ça. Bon, allez, bon appétit, les gars. Bon, je viens de finir le repas. Je me suis lavé les mains et j'ai pas fini les gobelets comme ce qui était prévu parce que bon, faut pas de risque. Hein. Sauce, ok, on va. Direction. Hop. Thank you. Thank you. It's okay, keep it. Keep it, it's okay. Don't know about. Ciao, ciao. J'ai pas trop envie d'aller à gauche, parce que ça a encore marché. Ça va aller, quoi. Putain, ça me pique. Oh, c'était vraiment piquant, quoi. Ah, et en plus, on boit d'eau. C'est compliqué, quoi. Donc là, on est retourné sur la route, on était tout à l'heure. Et si on pouvait potentiellement... Salam alaikum. How are you doing? Si on pouvait potentiellement trouver une petite bouteille d'eau qui est scellée, ce serait pas plus mal, franchement. Salam alaikum. How are you doing? Ok, là-bas, je pense qu'il y a des bouteilles d'eau. Hey. Salam alaikum. You have water? Water, please? Well, one bottle. Please. Mom? Yeah, mom. No. Mom. Mom's water. Okay, thank you so much. How much is it? How much is it? Water? How much? How much? 15, 15. 1.5, okay, 1.5. I don't have 1.5. Okay, do you have the change? Please? Il y a encore plein de gens qui sont allés. Salam alaikum. Hey, what's up? How are you doing? J'ai hâte de la déguster cette eau là, honnêtement. Tous à côté. Ok, thank you so much. Don't embat. Hein? Video, yeah, it's a camera. It's a camera. Ok, non, non, bah, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hop là. Ciao. Hein? Je sais pas. Non, non. Ok, let's open it. Attends, hop. Et cette fois-ci. Thank you. Hop. Ah, une main, ouais, c'est pas forcément facile. Thank you so much. Ah, une main, c'est pas forcément. Thank you. Une main, c'est pas forcément facile, mais on va déguster cette petite eau qui va être magique, je pense. Ah, les gars, vous savez pas à quel point c'est bon, quoi. Vous savez pas à quel point c'est bon. Bon, je pense qu'il va être temps de finaliser ce périple ici. Oh, thank you. Je pense qu'il va être temps de. No worries. Thank you. Il va être temps de finaliser cette vidéo juste ici. J'espère que t'as kiffé ce petit tour avec tous les gens que j'ai pu rencontrer, les gens qui m'ont offert la bouteille, tout ça, trop sympa. Si c'est le cas, petit like, va me suivre sur Instagram, tibi.jones, pour ne rien manquer de ses aventures justement au Bangladesh. Yeah, exactly, yeah. Okay, yeah. Yeah, thank you. Je vais commencer à avoir une communauté au Bangladesh, les gars. Petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et puis. Petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et puis je t'attends sur les prochaines vidéos aussi, et les anciennes aussi surtout. Parce qu'il faut aller voir ce que j'ai fait avant. Au Bangladesh et dans tous les autres pays. Bon, allez, ciao. 3, 5, 3, 2.